بتعكر حالة وبتعبر عن رؤية فنية معينة. الفنانة اليابانية كيميكو يوشيدا تركت بلدها الأم لشعورها بالاضطهاد ضد المرأة وتسكن أوروبا. من خلال البورتريتس بتحاكي ذاتها ونساء أخريات، فهي بتسعى لجعل فنها أشبه بمجموعة رسائل بتحمل قضية. عمل البارع وضع صورها على أغلفة المجلات العالمية وحصدت الجائزة الأولى عن فئة السيلف بورتريتس بنيويورك انترناشونال فوتوغرافي أورد للعام 2005. أعمالها بتنتمي لمجموعات فنية عديدة حول العالم كمجموعة ديان فون فيرستنبرغ بنيويورك ومجموعات الميزون أوروبيان دو لا فوتوغرافي والفونداسيون غيرلان الباريسية. معرض لأعمالها بجاليري تانيت بمنطقة مرم خايل النهر تحت عنوان تو سو كي ني با موا. مقابلة معها للمعرفة أكثر عن رحلتها الشيقة بمجال التصوير. Titre d'exposition est Tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qui n'est pas moi qui m'intéresse. Et donc, comme l'exposition est autour d'autoportrait, ce que je voulais faire, c'est montrer, c'est une transformation de travail. Chaque image est une transformation au-delà de moi. Je visite beaucoup de musées dans le monde. Après cette expérience, quand on commence à faire cette série de travail, du coup, ça m'a fait faire penser une mémoire dans des peintures que j'ai impressionnées dans le musée, Renoir, et Picasso, et Andy Warhol. Ça vient de cette petite tache de mémoire qui reste. Et donc, quand je fais la photo, je pense à tout d'un coup une image. C'est juste une petite inspiration chaque fois. Et par exemple, celle de Veronese. Je suis souvent à Venise. J'aime beaucoup de tableaux italiens. Mais c'est la vérité, c'est rien à voir comme figuration par rapport à la peinture de Veronese. Mais il y a un certain mouvement de baroque. Celui-là, c'est une peinture qui s'appelle Jeune fille souriant. Et donc, c'est une peinture, juste un petit morceau. Il y a une jeune fille qui est en train de sourire. Et la façon charmante et la lumière comme ça est très joliment traversée sur le visage. Et du coup, ma sourire, elle est quelque chose comme cette jeune fille. Cette série de travail est titrée peinture. C'est un qui parle de détournement de travail. Et au lieu de titrer une photographie, il s'appelle peinture. Au lieu d'imprimer sur le papier, j'imprime sur le toile. Et c'est aussi une partie du protocole de détournement. Et chaque objet de couture quotidienne, elles sont détournées par rapport à l'usage d'origine. Là, c'est par exemple, c'est une bustier de Vivienne Westwood. Elle est devenue un chapeau de flamande. Mais bon, la vérité, elle n'est pas du tout chapeau pointu. Mais ça, c'est mon imagination. Et une jupe est devenue une petite costume flamande. Alors, je parle un peu de mon maquillage. Elle est seulement qui dure 4 heures, mais en fait, moi je suis origine japonaise. Et au Japon, il y a une grande tradition de maquillage de geisha. En général, les femmes européennes, elles font le maquillage pour devenir plus belles femmes et individuelles. Mais par contre, le maquillage de geisha, c'est pour devenir un archétype de geisha. Donc tout le monde, ça sera à peu près le même visage de geisha. Et mon maquillage qui parle de ça comme une masque de sortir de ma propre, de cacher mon visage, essaye de me disparaître sur le maquillage. La lumière, elle est très importante. Et
C'est la lumière qui vient de le souvenir de mon enfance. Et ma maison japonaise à l'ancienne, elle est, la lumière arrive sur le couloir et elle est diffusée et avec la porte en papier, diffusée, arrive dans le salon. La peinture japonaise, elle est faite avec cette lumière et qu'il n'y a pas de l'ombre, elle est juste comme la ligne de extérieur. Et ma photo, c'est ça, c'est la lumière japonaise de tableau ancien. Et aussi, comme la lumière, elle est stable. Et moi, je suis toujours comme autoportrait, je suis dedans. Et je suis toujours la même matière. Et donc, l'objet, la lumière, elle est stable. Comme ça que vraiment on voit la transformation de le corps et l'image chaque fois et de ce que je fais comme création. Les images, ce que je fais, il n'y a pas de retouche Photoshop, et il n'y a pas de filtre sur l'appareil photo. Et chaque image, elle est conçue telle quelle, et le moment de prise de vue. Et je nomme ce moment la cérémonie de disparition. Et chaque image, c'est le témoin de cette cérémonie qui était là. Ma famille, c'est une descendante d'anciennes samouraïs. Et ma famille, c'est une éducation très très sévère. Mes parents voulaient que je devienne un entrepreneur. Ils ont rêvé beaucoup de métiers, sauf que je deviens artiste. Et moi, j'étais une fille très très sage. J'ai essayé de ne pas devenir artiste, mais depuis que j'étais petite, j'ai adoré faire les dessins, j'étais très bonne à la musique. Tous les professeurs venaient à la maison demander à mes parents de me donner l'étude supérieure de Beaux-Arts. Mais non. En sortant de l'université, je suis devenue simple entrepreneur. Mais je n'étais pas très bon. J'ai fait faillite de ma société aussitôt. J'avais 28 ans, je n'ai rien, j'ai tout perdu. Je suis arrivée avec la dette. Et le jour, j'ai compris qu'il faut que absolument je rentre dans la création. Et parallèlement, ma famille voulait que j'épouse avec le mariage arrangé, de je ne sais pas qui, que je ne connaissais pas. Donc il y avait beaucoup d'histoires qui se réunissent. Je me suis enfuie de Japon, de tout quitter, de mauvaises histoires. Cette série, comme ça qu'il s'appelle La mariée célibataire. C'est une paradoxale phrase opposée, mais c'est mon histoire. Ça, c'est la mariée opéra de Pékin. Et là, c'est une des premières séries. Comme je m'enfuis du Japon à cause de mariage arrangé, chaque transformation qui est un peu antiphrase de mariage. C'est le premier livre qui s'appelle Marimi, épouse-moi. Mais c'est la vérité, c'est Don't Marry Me. Et puis, chaque photographie, j'essaie de me disparaître sur le fond. Donc, c'est toujours, je parle de la disparition. Ça, c'est la mariée égyptienne. Et mon corps, elle est peinte rouge. Et ça, c'est Rubens. Et je voulais absolument de faire un tableau hollandais. Tout ce que je fais, c'est autour de mon autoportrait. Et je n'ai rien d'autre. Et ici, il y a une série de miroirs que je présente, qui parle du titre qui s'appelle Senza Immagine. Ça, c'est en italien, sans image. Donc, c'est le miroir qui ne reflète pas. Et ça, c'est la même chose, c'est pour moi, c'est autoportrait qui parle de la disparition de mon visage et le miroir qui ne montre pas ton image.
Pour moi, l'art, c'est la vie, c'est une vie. Donc, je peux pas vivre sans créer quelque chose. C'est ça que je suis arrivée. Grâce à ce que je fais, je transforme ma symptôme psychologique, elle est transformée. Je suis sauvée par l'art. C'est une nécessité de ma vie. Donc je continue, donc je crée. Et si ça marche pas, si ça marche, c'est pas ça que j'ai besoin. Et je continue.